pas se tromper de numéro de téléphone. Rigole pas parce qu'il y a un numéro de téléphone, effectivement. Oui, je sais, c'est pour ça que je le dis. Allô, maman? Vous gâchez l'intro là. Allô, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Tu veux des boulettes? Oh on merde! On va trouver un bug d'Arma, on va pouvoir appeler en illimité grâce à ça. J'ai bien le fruit. Dis-nous, on prend un pichet de Alors. Ouais. Ok, test 148, coup à toi. Confi chef. Confi chef. Ouais, c'est bon, chef. Confi chef. T'as pas remercié l'autre, c'est parfait. Et alors? Et on a que 3 pick-up? Eh ben ouais. Allez, on va prendre celui-là. Nous. Ok. Ok, Doudou, il me faut Doudou. Ok, Domenico, je la mets en route. Doudou, il est où? Il est en train de se barrer avec le. Moi, j'ai trop bu de thé à la menthe. Doudou? Je peux pas conduire. T'es avec moi, Doudou? Tac. Plein sud à travers la pampa. Ça va être ça. Plein sud, ouais. C'est bon, tout le monde à bord? Ouais, c'est bon, on y va. Est-ce que t'as une optique ou tu l'as brute, Wami, ton RPG là? Brut! Ok, d'accord. Je suis en train de partir. Exactement. Oui, t'es sur le bon chemin là? Moi je te suis. Allez hop. Ah, je suis l'arrière. Faut qu'on arrive avant eux là, ils sont sur là, ils sont dans la rivière là, ils sont dans le lit de rivière. Ouais, bah on va essayer de pas se planter. Inch'Allah, Inch'Allah, regarde, ils sont devant nous là, dépêche-toi, rattrape-les. Arwa, arwa. Ouais, c'est tonton Farid qui a réparé celui-là, il est tout pourri. Voilà, c'est sur la gauche du compound là-bas. Donc on se met à gauche? À gauche, ouais. Gauche, gauche, gauche. Non, celui qui a tout. C'est pas fond, celui-là? Ouais, celui-là. Ah oui. Et tout ça là-bas. Vas-y, à gauche, à gauche. Voilà, nickel. Maintenant à droite, à droite. Voilà, tu veux que je mette où? Va derrière les murets pour l'instant. Prêt pour repartir? Non, on va le placer en couverture. Mais derrière les murets sur la gauche là. Les murets sur la gauche là-bas. Vas-y, défonce tout. Voilà. J'ai regardé un peu le visu pour savoir où les placer. Allez, tout le monde descend, commence à jeter un œil. Essayez de voir si vous trouvez des bonnes positions, je vais faire pareil. Visu là, pas dégueu du tout. Ouah, Mi, je crois que tu vas déjà te placer là. Ah putain, je suis pris dans le mur. Vache. Ok, à tous les leaders, on a une carcasse d'Oural en fait sur la route. Le premier explosif est à cette hauteur. Ok, les gars, vous voyez la carcasse d'Oural sur la route? Ouais. C'est là où ils vont placer le premier explosif. Le second sera un peu plus loin. C'est pris. Yeah. Alors, le camion qui est à droite, ça. Ouais. Le pick-up, on va plutôt le mettre sur notre arrière au cas où il nous dépasse et on doit se retourner pour se protéger. À la rigueur, Warzen, mets-le, genre tu vois ici entre les arbres. Oui, quoi, en position, super. Tu vois? Ouais. Tu le mets ici avec une couverture vers le nord-est. Tu vois? D'accord. Ouais, en épi comme ça là. Ouais, comme ça on pourra se retourner et éventuellement se mettre à couvert derrière. Si on voit qu'ils sont passés. Il y a combien au pif d'ici à l'Ural? 100 mètres? Ouais, 100 mètres, ouais, 100 mètres. Ok. T'as quoi comme matériel? T'as pas de jumelles, rien du tout, Wami? Non. Non, j'ai juste Wilco dans la tête. Oui, Wilco, j'ai pris. Comment tu le sens? Pour ma part, en tout, c'est comme si j'avais un suppositoire prêt à rentrer, mais bon, c'est pas grave. Et en plus, je peux pas aller en dessous de 200 mètres, c'est bon. Non, pour plus sérieusement, pour nous, on a une carcasse de véhicules blindés pour nous abriter. J'espère que c'est sur la gauche là qui est bien, donc ça va. J'ai pas utilisé ton pick-up là pour allonger ton couvert avec la carcasse. Normalement, tu devrais être mort avant d'aller. Ouais, firme, on l'a laissé derrière pour pas se faire repérer outre mesure, mais ça nous fera un deuxième repli si on est trop à l'étroit derrière le BNP. Limite, je peux pas entendre ça. Warzen, limite, posant une par terre déjà pour lui, qu'elle soit prête à prendre. Et à tous les chefs d'équipe, une fois que vous êtes en place, vous planquez, je me mets en observation sur le P3. 4. Bon, Eldrid, pareil, mets-toi ici avec un bon visu sur la route là.
Ou au pire, tu laisses le sac par terre, je sais pas. Ouais, plus à droite. Non, non, si on doit dégager comme ça, il l'a sur son dos, il peut dégager avec. Ouais, bah, je vois la route. Ouais. Ah, là, je vois moins bien là. Mais non, tu vois bien la route. T'as mis la route. Tu vois toute la route là. T'as mis la route, j'étais en fait. T'as que dalle, c'est ça. Ouais, faut que t'aies la route en visu, Veldrid. Ouais, bah j'étais mis là où j'étais. Bah, je crois que t'avais des buissons devant toi là. Hein? Ouais, mais s'il passe le camion, tu verras plus rien là. Ouais, y'a pas d'optique là. Ah ouais, exact. Ouais, ok. Là, ça peut prendre un petit peu de recul et puis. Vu qu'il risque d'exploser au niveau du camion, il y aura une explosion sûrement au niveau du camion, comme ça tu verras un peu si ça passe ou quoi. Ah, si ça passe, je désingue. Ouais, tu penses que t'as une bonne fenêtre de tir ici, Wami? Je dirais qu'au camion, jusqu'au camion, t'as 100 mètres. Et jusqu'à la. Alors, la butte, je pense que c'est là où il y a la. Ah, c'est, c'est 250. Je dirais 200. Ouais, 9 minutes avant impact. C'est expo. Ouais, je dirais 200. Je dirais 200, ouais, la petite butte. Ouais, 200. Ok. Y'a combien de roquettes en tout? 6. Ok, 6. Vérifie ton niveau de voix. Ah merde, je suis en crié, moi. Vérifiez vos niveaux. Ah ouais, excuse-moi, j'en ai 6. Et par contre, le zeroing, enfin, j'en ai 4 sur moi. Et par contre, le zeroing, il va pas en dessous de 200, donc. Ouais, ouais, ok, d'accord. Ça aïe. Ah, oh, c'est bon, 200, c'est que ça passe. Faut qu'ils tirent avant qu'ils arrivent sur le camion, quoi. Oui, bah code, non, sinon après, c'est tout. Oui, code. Bon, t'es prêt? Ouais, prêt gauche pelette, ouais, c'est parfait, elle est prêt à faire feu lui aussi. Et Sedge trépine la patience. Ok, bien pris, je répète, vous restez planqué jusqu'à ce que je vous donne, jusqu'à ce que je t'appelle pour que tu viennes, d'accord? Ok, donc si jamais il passe derrière nous, on a le pick-up en couverture sur notre flanc gauche. Gauche du véhicule, avec Sedge on est planqué, on attend. Donc si jamais on doit se déporter sur le sur la couverture arrière, on essaie de prendre couverture avec le pick-up et tout le bordel. On se met derrière le pick-up. Donc on part pas vers le compound. Hein. On verra en fonction quoi. Mais c'est une option. Option pick-up, option... À coup de random. À coup. Option on bascule derrière le mur ou option on va au compound. C'est bon pour toi, derrière le pick-up, on pourra pas se planquer tous les quatre. On est prêt. J'ai peur que deux rafales plus tard, ils sautent avec nous. Ouais, c'est possible. C'est possible que j'en vois pas tout le monde là-bas. Ah, à nous les vierges au paradis. Mais ouais. On est là pour tuer okay. Le plus. Si tu sens, si t'as des suggestions à faire, c'est le moment. Le gouvernementaliste. Non, négatif. On est en place. On a la route en visuel. On a placé un pick-up en épi le long de la route, un peu vers le tien, histoire qu'on puisse se retourner et prendre à couvert dessus si jamais il nous passe. Ok, ça marche. Bon, bah à tous, on a je pense un peu moins de 5 minutes avant le passage du convoi. Ok, le chef dit qu'ils vont arriver dans 5 minutes, mais franchement... Je m'occupe de la, reconnaissance, je vous dis dès que je vois arriver. ce qu'on va faire, c'est qu'on va se planquer. Planquez-vous tous à vos places là, allongés, et je vous dirai quand ce sera le moment de nous relever. De vous relever. Faudra aller vite, mais ça va le faire. Mais t'as tout à fait bien fait. C'est ça qu'on veut voir, c'est de la spontanéité, c'est des gens qui prennent des décisions. Enfin, sauf si vous voulez quand même reconnaître le terrain, mais. Bon, ça va, là, j'ai vu ce que j'avais à voir. Okay. Le souci, c'est qu'en me relevant, enfin, je dois changer d'art. Ah ouais. Ah merde. Alors, ça, c'est bon. Tu voudrais pas te foutre par là, Wami, là? En fait, c'est bon si je fais. Ici, là. Non, mais si non, je fais. Bon. Merde. Si je fais C4, fait... il se relève en sortant son arme. C'est... Enfin, si je fais Shift 4. Et en fait, Je me mets debout, accroupi. C'est comment? Debout. Debout. Quand tu te relèves, t'es debout? C'est pas grave. Debout direct? Ouais. Ouais. Je vous cache pas qu'on a pas de bouchon d'oreille. Hein. J'ai essayé un peu avec des poils de chèvre, ça marche pas très bien. Donc les backblasts et la mitrailleuse, ça va être joli. Le grand sourd. Donc je vais me mettre en crié quand on sera dans le bordel. Ouais, ça changera rien. Ouais. Alors on s'éloignera tous de Wami et on va les laisser. Devenir sur ensemble. On avait une perte quand même.
Tête. Donc je vous rappelle les priorités, hein. C'est la première priorité, ce sera le BMP. On verra quand ça saute, ce qui saute, en fonction de ce qui a déjà sauté sur les explosifs. Ce qui reste, ce sera en priorité le BMP, ensuite le T55, et ensuite ce sera les BTR40. Oh, c'est pas obligé qu'ils soient en tête les BNDR. Non, c'est pas obligé, c'est probable. C'est souvent comme ça que ça se passe dans un convoi armé. Mais c'est possible aussi qu'il soit pas détruit à la première explosion. Il y en a un devant et un derrière aussi. C'est possible. C'est possible, ouais. Et un au-dessus. Aussi, ouais, c'est possible. L'idéal ce serait qu'on arrive à les stopper et qu'ils passent pas notre niveau, quoi. Ouais. Parce que si on doit les gérer dans notre dos, on va être dans la merde. Ouais, parce que ça risque de débarquer en plus. Ouais, exactement. Ah, c'est le problème du truc, hein, c'est qu'on a aucun véhicule à dispo pour se barrer rapidement. Et on a le pick-up. Non, il n'y en a aucun qui sont positionnés pour pouvoir. On a dû le mettre dans l'autre sens, à coup. Ouais. Bah, disons qu'un pick-up. Enfin, là, tu peux pas te barrer, tu peux pas le prendre et te barrer rapidement, quoi. Tu prends un tir de rafale de. Ouais, c'est de clair. N'importe quoi. Et t'es mort, quoi. Ah, je crois que j'entends quelque chose. Ah, ouais. Oreille de hibou a entendu quelque chose. Moi je vois rien à la jumelle pour l'instant. Convoi en approche, convoi en visuel. Confirmation, convoi en approche. Je vous dirai quand vous l'avez. Ok, visu. Ah, ça y est. Je vous avertirai quand ils seront à 300 mètres. Wilbur, en homme, tu me confirmes que Sparfell attend les premières explosions. On attend les premières explosions avant d'engager. Bien pris. Wami, il faudra que tu te dépêches pour choisir ta cible. Bien pris. Veldrid, tu prends tout ce qui est tireur, gunner, etc. en priorité, et après okay. Les mecs qui débarquent. Ça roule. À la rigueur, à coup, si toi tu vois, tu pourras indiquer déjà à Wami quel je numéro donner, de. Je vais donner l'ordre des véhicules. Alors, premier véhicule. BMP-1 en premier, T55 en second, avec un peu de chance, ils vont péter avec l'explosif. Allez, on se prépare. BMP, T55 en premier. Yes. Ok, vous pouvez vous relever, les gars. Ils sont à 200 mètres là. Vous les voyez bien? Ils vous font peur? Bon, rien du tout. Regarde le BMP. Ah là, je les vois. Faut espérer qu'il pète sur l'explosif lui. Sinon tu le fumes, hein. Sinon tu le fumes. S'il continue, tu le fumes tout de suite le BMP. Fume-le! Oh putain, vache! Merde, moi aussi! Y'a rien à faire avec ce putain de convoi, y'a rien à faire. Y'a quoi qui a été buté? Je sais pas. Un camion. Un camion, si, un camion. Y'a un mec mort sur la route.